Ok les gens, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur du Ark, sur Ark Ascend. Alors, je suis en compagnie de Rania qui va me rejoindre. Je sais pas si pour Avoc. Comme vous pouvez voir, j'ai encore la voix un peu enrouée, mais j'avais envie de faire cet épisode. Il faut absolument qu'on fasse la brood et on va la faire en alpha directement. On a tout ce qu'il faut, donc on va aller s'installer tranquillement. Allez, c'est parti pour le déballage des petits mégatériums. Ce qui est cool, c'est que avec les saules là, on n'a pas besoin de. C'est quand même bien pratique. On a besoin de sélectionner un peu tout. Donc on en a 15, plus un Yuti. Bon, j'espère que ça passe. À la base, je voulais la faire avec en gamma, mais bon. On a envie de challenge. Bon, je vais tout organiser et puis on va s'y mettre. Donc, pour info, ils ont en gros 25K PV et tout le reste en attaque. Et je leur mets une dizaine de gâteaux, voire plus, si j'arrive à en avoir assez. Je sais pas trop en fait. Donc, on va voir. Hop, allez, je mets ça en place. Comme d'habitude, c'est du grand classique, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de boss. Donc je suis très content de pouvoir le faire. Bon, Rani est en train de terminer. On a donc nos trucs. Je vais juste aller farmer peut-être un peu de viande pour le. Je sais pas trop. Non, ça devrait aller en fait. On devrait avoir assez. Je vais trouver de la viande sur place avec le Yuti. Ça devrait le faire, je pense que on va se préparer à partir. Allez, on va mettre les offrandes. C'est parti pour l'alpha. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire, tout simplement. Comme j'ai pas refait de boss, Rania non plus d'ailleurs, on a pas refait de boss depuis que c'est des nouveaux boss. Bon, on va bien voir si ça le fait. Allez, 4 secondes. Et on est parti. Pourvu que ça crache pas. Allez, on va siffler, attaquer. Allez. On va booster tout ça. Let's go. Je sais plus comment on souffle. Non, ça doit être ça. Allez, on est parti. Allez-y les petites bestioles. J'ai chaud d'apprendre dans cette arène. Bon, ça se passe pas mal. Tout le monde a l'air de taper. L'arène, est-ce qu'elle a changé? Je sais pas. On verra ça après, peut-être. J'ai un petit peu chaud, mais je dis ça. Ça va, les trucs ont l'air de bien taper. Ça a l'air de bien se passer, ils sont pas trop bien répartis. Certains en tout cas. Puis ça a l'air quand même d'être pas mal. Pour l'instant ça se passe bien. Combien il reste de PV dans cette machine? Il y avait presque 1 million. Hein. On lui a enlevé un tiers de sa vie. Donc juste vérifier si mes. Comment ils sont, mais au niveau de l'air, ça dépend. Certains, ça va, d'autres, un peu moins. Mais globalement, pour l'instant, en tout cas, on est plutôt bien. Quasiment mid-life.
continue à booster tout ça. On fait un petit résumé. On va en perdre quand même. La moitié, je pense qu'on va en perdre quand même. On aura mis des gâteaux, mais. Les points, ils sont. Allez, mes petits mégates. Le premier boss, faut pas qu'on joue. Ouais, ça y en a un qui est mort. Pas surpris. Ça va le faire quand même. Après, j'en avais plus que 15. C'est un choix, mais des fois, on en prend 20, on en prend 19. Mais de toute façon. Des fois, ils ont du mal à taper. Allez. On va tout réunir le Ethereum. Allez, 6K, 16K, ok. Je vais en perdre quelques-uns, je pense. Ceux qui sont vraiment en face. Non, c'est pas le moment, hop. Faut y aller. Faut y aller. Allez. Certains n'arrivent pas à taper. Faut les 3000. Ça va le faire. On va en perdre, je pense, un peu plus que. Il y aurait peut-être 5-6. Il y en a moins. Une deuxième qu'on perd. 3. Il reste 5 à 100 000 PV, encore un. C'est chaud là. C'est pas très grave parce qu'il faut se régulier les selles. Et puis, ça y va. On va aider quand même. Ouais, c'était chaud quand même. On va voir, mais. On a perdu un peu plus que j'aurais cru. Yes. Je ramasse les selles. Allez, faut qu'on retrouve les selles. Et puis c'est bon. Et voilà. Voilà le revenu. Impeccable. Ok, bon alors on en a perdu combien? Alors attendez, hop. On en a un là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a perdu 6. Au final, c'est pas tant que ça. Ça va. Trop content, on a réussi notre premier boss. Franchement, en alpha direct, je suis content. Surtout avec seulement 15 mégates. On s'était un peu osé et je pense qu'il n'y avait pas assez de gâteaux. Ils en avaient 10, entre 10 et 20. Je pense que ceux qu'on avait avec 10, ils sont morts tout simplement. Bon, ça nous servira de leçon. Je sais qu'en plus, faut y aller tranquille avec la broude. C'est pas si simple à faire, mais bon, c'est pas grave. Premier boss, c'est fait. Avec Rani, on a décidé d'aller tenter le Megapithecus en gamma parce qu'on n'a pas de selles de Rex. On va leur mettre des selles classiques, on va en emmener une vingtaine. Et on espère que ça va le faire, il n'y a pas de raison.
Donc on se prépare et puis on retourne vers l'arène pour essayer de faire le méga de Pithecus en gamma. Ce serait vraiment cool d'avoir les deux ce soir. Ok, j'en profite, on va mettre le trophée tout de suite. Je n'ai préparé. On va le mettre là. Voilà, premier trophée. C'est pas beau ça? Avec le petit drapeau, qu'est-ce que j'en ai fait? On va le mettre. Je vais le mettre devant ma baraque. Ici. Voilà. Bon, ça c'est cool. On a récupéré 148 éléments, j'en ai filé la moitié à Rania. 74, c'est pas mal. Il nous en faut 100 pour faire le repli. Donc je sais pas combien on va récupérer en gamma sur le Migat. Peut-être pas assez. Mais c'est pas grave. On essaiera de refaire la broude peut-être en gamma pour voir. Bon, je pensais que mes Rex étaient prêts, mais pas du tout. Enfin, ils sont prêts, mais en fait, il faut les sortir des cryos pour que. Mince. Pour pouvoir mettre les levels. Donc du coup pas de level, donc pas de level. Mais pas grave, on va s'en débrouiller, je vais les préparer et puis on fera ça dans le prochain épisode. Bon, si on regarde quand même ce qu'on a débloqué en item, ça m'intéresse. Donc ça, la selle de Moza. Les bottes, le casque, Toraltech, pas mal de d'éléments. C'est cool pour pouvoir bâtir en tech. Et le réplicateur, donc plutôt pas mal. En tout cas, je suis bien content. On aura fait la broude en alpha. On aura perdu 6 mégates, mais ça aura valu le coup. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vais essayer de refaire un peu plus de arc. Dans les semaines qui viennent, surtout que The Center devrait sortir. On va essayer de faire le méga Pithecus dans le prochain épisode. Et puis il faudrait qu'on arrive à tomber un bon BP de Rex et de Terry pour pouvoir attaquer le dragon. Les Terry sont prêts, ce qui manque c'est de faire les deux caves qui sont pas faciles. Pour l'instant, je prépare des tuzos pour aller faire les caves marines. Et il faudra qu'avec Rania on se fasse les deux caves de glace. Donc on a encore du travail pour pouvoir finir entre guillemets The Island. En attendant que The Center sorte, peut-être on finira pas d'ailleurs The Island avant que The Center sorte. C'est pas grave, on va essayer de faire en fonction. Désolé encore pour la voix, et nous on se dit à très vite pour la suite des aventures. Ciao!